Femmes ont dit, mais c'est une fréquentation.
ولا تنسوا تنوعوا في الدعوة والتبرع، يزيدوا الإنتاج من المصدر.
recevez-vous dans le toit, ce n'est pas comme une aide, par moi, si nous agissons, dans tout monde, les manières du miracle. C'est ça, il est dit. Il soit dit, il est dit, mais nous avons un cas qui est très moi, j'aimerais avoir ce mois pour tiens, c'est un maintenant d'information continue. Ils sont
بسم الله الرحمن الرحيم.
Yahangu,
Austin. Echaria. Echaria. Nami. Nami. Kamjofanya. Kamjofanya. Iklas. Iklas. Kutekeleza. Kutekeleza. Zewajibu. Zewajibu. Zaham. Zaham. Nihifadhi. Nihifadhi. Zesiri. Zesiri. Zahalo. Zahalo. Zidunge. Zidunge. Haina. Haina. Namna ya tabia za uamini na utukufu
Na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu. Shahidi. Shahidi. Ujumwa. Ujumwa. Izo na ba. Izo na ba. Monsieur, c'est Yomar Nassou. Décret numéro 24-023, vers portant recrutement et nomination des magistrats. Le président de l'Union, décret, article 1er, Monsieur Saint-Omar Nassur, auditeur de justice, matricule numéro 89-629-U, récipiendaire de formation judiciaire dispensée par le service universitaire de formation permanente support de l'Union des Comores. Est recruté dans le corps de la magistrature et classé au deuxième rang, deuxième groupe, première chose. Article 2. Intéressé et nommé juge d'instruction au tribunal de première instance de Montreux. Article 3. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au journal officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera. Et à Moroni, le 25 février 2024. Merci, monsieur le préfet en chef. Monsieur Sénateur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gambiabo. Gambiabo. Amnésimu. Amnésimu. Mutukou. Mutukou. Uka. Uka. Kamjote Kebeza. Et Haziam, Haziam, Haouste, Haouste, et Sharia, Sharia, Nami, Nami, Gamjofaya, Gamjofaya, Iflas, Iflas, Otekeleza, Otekeleza, Zewajim, Zewajim, Zaham, Zaham, Nihifad, Nihifad, Zesir, Zesir, Zahar, Zahar, Nihilunge, Nihilunge, Aina Namna, Aina Namna, Yatobia, Yatobia, Zawamini, Zawamini, Nabukufu, Nabukufu, Namyezimu, Namyezimu, Shahidi, Shahidi, Ujumwa, Ujumwa, Izonaga, Izonaga. Monsieur Abdullah Mohamed. Décret numéro 24-025, portant recrutement et nomination des magistrats. Le président de l'Union. Décret. Article 1er. Monsieur Abdoulaye Madi, auditeur de justice, matricule numéro 13-080A, récipiendaire d'une formation judiciaire dispensée par le service universitaire de formation permanente, support de l'Université des Comores, est recruté dans le corps de la magistrature et classé au deuxième rang, deuxième groupe, premier échelon. Article 2. Intéressé est nommé juge d'instruction au tribunal de première instance de Moroni en remplacement de Madame Sakina Maeva Vamir. Article 2.3. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au journal officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera. Et à Moroni le 25 février 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gamlabo. Gamlabo. Hamyezimu. Hamyezimu. Mtukufu. Mtukufu. Uka. Uka. Namjotekeleza. Namjotekeleza. Ehaziam. Ehaziam. Auste. Auste. Esharia. Esharia. Nami. Nami. Namjofanya. Namjofanya. Ikhlas. Ikhlas. Otekeleza. Otekeleza. Zewajib Zaham. Zewajib Zaham. Nihifadhi. Nihifadhi. Zesiri. Zesiri. Zahari. Zahari. Nidunge. Nidunge. Haina namna. Haina namna. Yatwabia. Yatwabia. Zawamini. Zawamini. Na utukufu. Na utukufu. Na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu. Shahidi. Shahidi. Ujumwa. Ujumwa. Izo na ngao. Izo na ngao. Monsieur Hafidhou Abdoumbas.
Caillou. Décret numéro 24-028-R portant recrutement et nomination des magistrats. Le président de l'Union décrète. Article 1er, messieurs Abdou Abdouwazi, auditeur de justice. Matricule numéro 77-726-Q, récipiendaire d'une formation judiciaire dispensée par le service universitaire de formation permanente sous forme de l'Université des Comores. Est recruté dans le corps de la magistrature et classé au deuxième rang. Deuxième groupe, premier échelon. Article 2. L'intéressé est nommé juge au tribunal de première instance de Moroni. Article 3. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au journal officiel de l'Union des et communiqué par Coucou Besoin Serra. Terme au lit le 25 février 2024. Merci, monsieur le Fianchet. Monsieur Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamlaabo. Kamlaabo. Aoutoukou. Amyesim. Amyesim. Ntoukou. Ntoukou. Ouka. Ouka. Gamjotekeleza. Gamjotekeleza. Ehazi. Ehazi. Yaham. Yaham. Aouste. Aouste. Lesharia. Lesharia. Nami. Nami. Namjofanya. Namjofanya. Ikhlas. Ikhlas. Potekeleza. Potekeleza. Zewajibu. Zewajibu. Zaham. Zaham. Nihifadu. Nihifadu. Zesiri. Zesiri. Zahari. Zahari. Nidunge. Nidunge. Haina namna. Haina namna. Yatobia. Yatobia. Zauaminifu. Zauaminifu. Na utukufu. Na utukufu. Na Myezimu. Shahidi. Shahidi. Ujuma. Ujuma. Izonabao. Izonabao. Madame Faïza Soudé Ibrahim. Décret numéro 24-032-PR, portant recrutement et nomination du magistrat. Le président de l'Union décrète. Article 1er. Madame Faïza Soudé Ibrahim. Auditrice de justice, matricule numéro 13087F, récipiendaire d'une formation judiciaire dispensée par le service universitaire de formation permanente sous forme de l'Université des Comores, est recrutée dans le corps de la magistrature et classée au deuxième grade, deuxième groupe, première échelle. Article 2. L'intéressée est nommée substitut du procureur de la République et le tribunal de première instance de Moroni en remplacement de M. Saïd Doussou Saïd Abderrahmane. Article 3. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et le ministre des Finances et du Budget seront chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera enregistré ou publié au journal officiel de l'Union des Comores et communiqué partout où besoin sera. Pierre Moroni le 25 février 2024. Madame la Présidente, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gamlaabo. Gamlaabo. Hamyezimu. Hamyezimu. Mtukufu. Mtukufu. Uka. Ukaya. Gamjotekeleza. Gamjotekeleza. Yehaziyamu. Yehaziyamu. Hauste. Hauste. Yesharia. Yesharia. Nami. Nami. Gamjofanya. Gamjofanya. Ikhlas. Ikhlas. Kutekeleza. Kutekeleza. Zewajibizahamu. Zewajibizahamu. Nihifadu. Nihifadu. Zesiri. Zesiri. Zahari. Zahari. Nidunge. Nidunge. Haina. Haina. Namna. Namna. Yatwabia. Yatwabia. Zawaminifu. Zawaminifu. Na utukufu. Na utukufu. Na Myezimu. Na Myezimu. Shahidi. Shahidi. Ujuma. Ujuma. Izonagawa. Voilà.
kana kuzalikin su zokin bara da kinga da Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre du Trésor, Monsieur le procureur général, Monsieur le grand cabinet, Monsieur l'inspecteur du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le chef de juridiction, Monsieur le conseiller à la Cour suprême, chers collègues magistrats, Monsieur les avocats, aujourd'hui, la magistrature comorienne vit un moment exceptionnel. La justice, sans qu'il soit toujours distingué entre les juges et les procureurs, lorsque sont évoquées les juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui entretient la confusion dans l'esprit du plus grand nombre. Notre justice est critiquée, attaquée, dénigrée, vilipendée et souvent taxée de tous les mots. Tandis que d'autres ne manquent pas périodiquement de dénoncer un prétendu gouvernement des juges. Pourquoi alors, dans ces conditions, un tel engouement, jamais démenti pour la fonction de magistrat? Pourquoi le métier de juge suscite-t-il toujours autant de vocations? Pourquoi cette profession attire-t-elle sans cesse non seulement les étudiants, mais aussi celles et ceux moins jeunes qui ont acquis une solide expérience dans le monde du droit? La réponse est somme toute assez simple, parce que les fonctions de magistrats sont passionnantes et exaltantes, riches et enrichissantes, multiples et variées. Certes, dans le contexte qui vient d'être rappelé, leur exercice s'avère de plus en plus lourd et délicat, de sorte qu'il est souvent tentant de céder à une certaine forme de découragement. Mais il est indéniable que pour la grande majorité des magistrats, la force de l'engagement est intacte. Face à une société qui, paradoxalement, en appelle de plus en plus à l'autorité judiciaire, le juge demeure ce praticien de l'idéal qui se doit de contribuer à relever les défis de notre société. C'est une chance pour notre justice qui a besoin de vos talents et de votre énergie. Je forme donc le vœu qu'Allah vous accompagne efficacement dans votre prise de conscience. Monsieur le procureur général, la Cour d'appel prend acte de réquisition et ordonne à monsieur le greffier en chef de verser un procès verbal du discernement. L'audience est levée. Thank you.